Le premier point, comme j'avais dit, nous parlons sur la restitution. Et au deuxième point, nous allons parler pourquoi cette restitution. Et au troisième point, nous allons parler réellement maintenant sur la pluie de la première et de l'arrière saison. Aujourd'hui, nous parlons sur la restitution. Nous remercions le diacre Georges. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Lisons d'abord la Bible. Joël chapitre 2, 23 à 26. Le sous-thème, c'est la restitution d'abord. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Les herbes se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelec, les asiles et les gaz. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'entendement, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le diacre Georges. Merci pour la conduite que tu lui as donnée pour conduire cette église, Père, dans cette grande bénédiction. Nous sentons que la retombée de ces choses, Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Faites que ces sujets que nous avons commencé puissent emboîter ces pas, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous rappellerez que quand je partais à Kananga, j'ai parlé sur le trône. Et je disais que cet exposé-là devait nous conduire dans les lignes de prière, plutôt à la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Mais des voyages ont fait que je ne puisse pas vraiment être vous conduire dans cela. Mais Dieu merci, à partir de Chikapa, le diacre Georges, le président Georges m'avait appelé. Président Georges, vous m'avez dit que je sens en moi cette poussée, pasteur, de conduire l'église dans la prière pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, en tout cas, c'est merveilleux. C'est l'objectif
l'église que moi j'avais. Et Dieu a fait cela. Et Dieu merci. Chaque jour, que Dieu vous bénisse davantage. J'ai trouvé l'église dans la joie et en feu. Il faut entretenir ce feu-là. Ajouter des tisons, des bois, et souffler pour que le feu continue comme cela. Nous disons Dieu merci. Et c'est pourquoi j'ai pensé venir avec ce sujet. Il y a des années que j'avais parlé de cela. Mais Dieu a voulu qu'il mette ça dans mon cœur. Et j'irai avec ça doucement, doucement. Et pour que nous puissions bien comprendre. Ceci va nous fixer. Et nous continuons dans cette cadence ici. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous avez eu des réunions de prière. Mais la prière, c'est le souffle d'un croyant. Nous aurons encore des réunions de prière. Parce que nous devons réchauffer. Garder cette atmosphère. Parce que la prière, c'est ce qui nous met en communion avec Dieu. Et c'est ça la bonne manière de nous exprimer à Dieu. Je suis toujours touché quand Frère Banam parle. Il disait que quand il a des petits problèmes, il dit je pars dans cet endroit là, l'endroit où je pars prier jusqu'à l'exaucement. Il a un endroit où quand il part prier là-bas, il prie jusqu'à l'exaucement. Oh, ça c'est une bonne expression. Quelquefois nous prions, nous parlons à Dieu, nous disons amen et nous partons. Mais il faut des moments où quand vous priez, vous prenez des dispositions que cette fois-ci, pour ce problème, je m'enferme quelque part. Je dois prier où je pars à l'église, à un endroit, jusqu'à l'exaucement. C'est ça un chrétien. Nous bénéficions du ministère de Frère Branham. Nous nous réjouissons de la manière que Dieu l'a utilisé. Nous nous réjouissons du message qu'il nous a apporté. Et ce que nous avons reçu de lui, c'est le fruit des grandes prières et des consécrations. Venons à notre sujet. Oui, on m'avait dit que je partais trop vite, mais peut-être bon, Dieu va me conduire. Notre grand thème, je dois terminer à, c'est 45 minutes seulement qui me reste. Permettez-moi, à 12h30 je dois arrêter. Je voulais arrêter à 12h, mais 45 minutes je ne ferai pas grand chose. Je demande votre avis. Je termine à 12h, donc 45 minutes, j'arrête. 12h30, ok. 12h30, à 28, commencez. 12h30. Vous me donnez combien? Vous voulez que je termine à 12h30? Non, les sœurs vers à 12h45. 12h45, donc 40, dans 45 minutes. La sœur là. 45 minutes seulement. Le réglementaire, c'est 12h30, la fin de la prédication. Ah, on dit le temps réglementaire, c'est 12h30, le temps de la prédication. Ça va. 12h30, qui sont favorables? Oui, j'obéis à votre 12h28, commencez déjà pour imprimer. Parce que j'ai pris du temps à vous faire les rapports. Je ne dois pas dire comme Georges que je ne fais que commencer. Mais moi, je vais récupérer mes minutes. Vous voyez, Georges, comme il n'a pas assez de temps, parce que moi, comme je prêche librement, alors je peux réglementer. Mais je lui dis deux jours, c'est pourquoi il doit combiner tout.
Alors, nous parlons sur la pluie de la première de la saison. Mais nous voulons commencer d'abord sur la restitution. Alors, nous avons lu ici dans la Bible. Et vous, enfants de Sion, 23, soyez dans l'allégresse en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves régorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Azil et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous les enfants de Sion. Alors, quand je vais remplacer ces années-là, alors vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Parce que ces insectes, comme nous allons voir au chapitre 1er, quand nous allons parler pourquoi la restitution, plutôt, quand nous allons voir au point 2 pourquoi la restitution, on dit alors vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple à moi, pas n'importe quel peuple, mais mon peuple à moi, autrement dit, mes élus ne seront plus jamais dans la confusion. Alors remontons au verset 23. J'ai ici trois versions de la Bible. J'ai Louis II. J'ai Darby, Darby et le roi Jacques en anglais. Je sais pourquoi. Nous allons voir la nécessité de ces trois versions. Nous prenons d'abord le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Ce sont les Juifs. Car il vous donnera la pluie à la il vous donnera la pluie en son temps. J'ai dans mon ordinateur, comme je disais le vendredi, j'ai un programme. La Bible online. Alors, il y a là-bas beaucoup de versions. Mais la version principale, c'est Louis II. Où chaque mot de la Bible, vous trouvez un chiffre à côté qui vous montre le mot grec correspondant à ce mot-là. C'est le prophète Branham qui nous a ouvert ces sentiers-là. Vous l'entendez souvent quand il enseigne, il dit ces mots, je l'ai étudié, je vis dans le texte grec, ce que ça dit, alors ces mots veulent dire ceci. Vous voyez par exemple, quand on dit au commencement était la parole. Alors, vous verrez un chiffre à côté de la parole là-bas. Alors, vous cliquez. Vous donnez en grec les mots logos. Et c'est comme ça que je vous ai parlé dans les jours où le Fils de l'homme paraîtra, paraître là.
Les mots qui est là, ce n'est pas venu. Voyez, c'est apocalypto. Cela veut dire, non, je crois que je ne me rappelle plus, mais cela veut dire révéler, manifester et des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la venue. Donc Luc 17:30 n'est pas la venue. Et le mot qui est là en grec, c'est révéler, manifester et paraître. Donc voyez, c'est ce que là, ce n'est pas la venue. Moi, je dis moi, mon rumi gala, kusokolola, kutandula, kudu kumwenisha toka, mo loka. Ça peut être une autre chose. Ça va être tout. Alors ici dans Joël chapitre 23, et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. On dit car il vous donnera la pluie en son temps. Alors, c'est mon pluie, quand vous cliquez le chiffre qui est là, et ça montre, ça conduit à ce mot ici, moré. Pluie là, c'est moré. Maintenant, moré là, c'est quoi? On dit, c'est la première pluie. C'est pourquoi vous remarquerez second Darby. C'est pourquoi quand on traduit un texte, le traducteur peut prendre tel mot et l'autre peut prendre tel mot. Ce sont des mots synonymes. Alors écoutez, Louis II dit, il vous enverra la pluie, plutôt, car il vous donne la pluie en son temps. Mais écoutez comment Darby a traduit. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous à l'Éternel, car il vous donne la première pluie dans sa mesure. Ici, l'autre a traduit, il vous donne la pluie. Mais ici, la première pluie. Voyez, Darby a pris déjà la signification. Donc, ces mots-là qui signifient première pluie. Donc, ce n'est pas deux choses. Alors, prenons la pensée de Darby. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Pardon. Suivez-moi très bien pourquoi j'insiste. Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure. Retenez bien ça. Quand nous arriverons au troisième point, il dit réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie en son temps, en sa mesure. On descend. Non seulement la première pluie, mais il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois, ce qui se rappelle le samedi et le vendredi, Dieu console son peuple. Réjouissez-vous. C'est vous dans Joël chapitre 1er, on a ravagé. Vous êtes resté dans la tristesse. Mais maintenant, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi devait-il se réjouir? Bien que nous reviendrons à cela dans notre partie, pourquoi la restitution? Dans Joël chapitre 1er, quatre insectes sont venus s'abattre dans les champs. On
avait ensemencé. On avait semé. Les choses commençaient à germer. Ça commençait à croître. Les cultivateurs se réjouissaient. Comme quand vous plantez votre champ. Et vous voyez que ça commence à produire. Vous serez joyeux. Vous venez peut-être le matin voir. Oh. Les maïs sont poussés. Oh, venez voir, les maïs sont poussés. Et vous êtes dans la joie. Vous protégez les chèvres. Attachez vos chèvres. Ah, les porcs viennent, couche. Vous contentez de votre votre champ qui produit. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette prophétie? Les semences germaient déjà. Des choses poussaient déjà. On était dans la joie. Mais ces insectes, ces passerelles sont venus maintenant s'abattre la joie. Et vous savez, si vous avez arrangé votre champ et que ça commençait à croître ou à germer et que ces insectes, les sauterelles viennent s'abattre parce qu'elles vont ronger des feuilles, vous allez perdre la moisson. C'est ce qui est arrivé. Nous reviendrons là-dessus. Nous voulons donc parler sur la restitution. C'est pourquoi Dieu dit que vous, enfants de Sion, vous vous êtes attristés comme votre moisson semblait être perdue. Mais réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il va vous donner, il vous envoie, vous envoyer la pluie de la première saison. Ou des premières pluies. Ça dit que vous aurez encore le temps d'ensemencer. Retenez bien ça. Et il dit, verset 24, les aires se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Observez verset 25. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Quand j'ai cliqué ce mot-là, parce que vous devez vous demander. Remarquez. Ici, Louis Segond, quand il a traduit, il a mis le verbe remplacer. Maintenant, Louis Segond, quel mot il a mis là-bas? Écoutez. Il dit. Et Darby, pardon. Verset 25. Écoutez. Je vous rendrai. Voilà. Je vous rendrai. Second traduit, je vous rendrai. Second a traduit. Alors, comme ça, on vous remplace. Et, ah, pardon. Oui, pardonnez-moi. Darby a traduit, je vous rendrai. Darby, nous Second lui, je vous remplacerai. Second lui, maintenant, roi Jacques. Donc, roi Jacques, la Bible que Frère Branham utilisait. Heureusement, vous connaissez l'anglais. I will restore to you. Restaurer. Et en anglais, restore, c'est-à-dire que restituer ou restaurer. Pourquoi ici remplacer, ici rendre, ici restaurer ou restituer? Parce que le mot grec qui est là, c'est parce que je suis Shaulam. Ce mot-là signifie, c'est pourquoi vous remarquez que le traducteur ici prend tel mot, l'autre prend tel mot, mais c'est toujours Shaulam. Shaulam.
Ça signifie rendre, payer, restituer, donner un dédommagement, remplacer. Voyez, et toutes ces choses-là, rétribution, rendre le bonheur, disposer favorablement, salaire. Vous voyez tous ces synonymes-là. C'est pourquoi tel traducteur, parce que du texte grec, il prend les mots. Lui second a pris les mots remplacer. Darby a pris les mots rendre. Roi Jacques a pris les mots restaurer ou restituer. Mais comme nous voulons prendre la traduction que le prophète utilisait, parce que c'est ce qu'il a développé. C'est pourquoi nous prenons restaurer ou restituer. Surtout restituer. Parce que restaurer a seulement le sens de quelque chose qui a dit, mais restituer, c'était que restaurer, remettre. Maintenant, écoutez, c'est ici maintenant la chose principale. C'est pourquoi nous parlons sur la restitution. Si le mot restitution, si ce mot-là qui est là, c'est restituer. Maintenant, prenons Frère Branham. Suivez-moi très bien. Parce que ceci, nous venons de passer par cette grande expérience du baptême du Saint-Esprit. Je reviens à la déclaration que j'avais faite le vendredi. Frère Branham a dit, dans les messages, les fondements fondamentaux pour la foi. Paragraphe 26. Partie B. Quelqu'un a dit, la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Pour ces choses-là. C'est-à-dire des miracles, des dons spirituels, des guérisons. Ça, c'était seulement pour les apôtres. Frère Branham dit, je ne suis pas un historien. Il me répondra pour répondre à cet homme. Mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y ait eu un réveil sans que des signes, des prodiges et des miracles suivent cela. Il répondait, il voulait réfuter cette conception de cet homme-là. La puissance n'était donnée qu'aux apôtres. Pour ces choses-là. Comme dit que non. J'ai lu l'histoire de l'Église. Je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit comme ce qui nous a balayé l'année passée et ce qui vient d'arriver quand Georges nous a conduit. Et qui ont frappé l'Église. Et qui ait eu un réveil. Sans que des signes,
des prodiges et des miracles suivent cela. Vous voyez les témoignages que nous recevons, des guérisons que nous recevons, des miracles que nous entendons. Ce sont des choses qui suivent dans les vagues. Dieu a guéri les malades dans chaque âge. Et il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens et les églises sont prêts à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Quand ces vagues-là arrivent, et qu'on a prié pour le baptême du Saint-Esprit et que Dieu a déversé, les signes et les miracles doivent suivre. Et c'est ce que nous suivons ici. Martin Luther a prié pour l'un de ses proches compagnons. Martin Luther a prié pour l'un de ses proches compagnons. Et ce dernier fut guéri. Wesley, je crois qu'on a enregistré 240 cas de guérison des malades suite à sa prière. Et ainsi de suite. Une fois, il était sur un cheval. Celui-ci boitait. Et lui souffrait de mal de tête. Et Dieu a guéri à la fois son cheval et lui. Le cheval a cessé de boiter. Wesley avait un réveil. Luther, c'était un réveil. Saint-Esange, c'était un réveil. C'était un réveil. Quand nous comprenons vraiment ce que c'est que restituer, comme je vais parler ce soir, il dit, quand les vagues du Saint-Esprit ont traversé l'église, il y a eu des signes et des prodiges. Eh bien, on raconte qu'une fois, on dit, je le crois, qu'il s'agissait de Moudi, qui avait tellement de personnes qui étaient guéries dans ces réunions pendant que le Saint-Esprit se déversait. Bien que Moody n'ait pas enseigné la doctrine de la guérison divine, mais on dit qu'il se produisait tellement de guérisons dans des réunions, dans ces réunions, qu'il pensait que son église deviendrait comme cette cathédrale en France, où les gens viennent pour être guéris. Tellement qu'il y avait des personnes guéries. Cela témoigne que le Saint-Esprit, même si on n'a pas enseigné la guérison divine, le Saint-Esprit le fera lui-même. S'il peut avoir la prééminence à cet endroit, s'il peut avoir la prééminence au tabernacle de Moujimaï, il produira cela. C'est ça le témoignage que nous recevons. Écoutez, j'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis là et qui retournaient à la maison après s'être soumis au Saint-Esprit, qui retournaient à la maison parfaitement guéri, sans même s'en rendre compte. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner la guérison et pour donner l'énergie à chaque vie pour tout faire. Nous venons de passer par cette vague. Les gens vont rouler par terre. Ils roulaient par terre.
Maintenant, c'est étonnant que dans ce message, nous qui sommes dans ce dernier réveil, si nous reconnaissons que ce message c'est un réveil, autrement dit qu'il n'a jamais vu aucun, on n'a jamais vu un réveil où le Saint-Esprit a soufflé sans qu'il y ait ces œuvres qui viennent de citer ici. Pourquoi surtout dans notre temps? C'est pourquoi je parle de la restitution. Frère Manam dit que Joël 2 s'est accompli dans cet âge. Qu'est-ce qui s'est accompli dans cet âge? Joël 2, quelle partie? Nous avions parlé la fois passée. Sur je répandrai mon esprit. Dieu devait se kénosser. Mais ici nous parlons, nous voyons la première partie. La restitution. Frère Neville prêchait. Il répétait ce mot-là, restitution. C'est ce qui a donné l'inspiration à Frère Branham quand il devait prêcher sur la restitution de l'arbre épouse. Il avait utilisé ce texte ici. Nous sommes dans ce message-là. Paragraphe 47, écoutez-le. Bien. Après que Frère Neville a prêché ce matin, ce remarquable message, la dernière chose qu'il a mentionné en rapport avec cette dernière pensée, c'est être restitué, être restauré. Cela m'a donné une idée. À l'instant même, restitué. Il dit, eh bien, j'ai vite regagné la maison. Suivant Frère Branham. Et j'ai pris mon dictionnaire et tout. Et puis j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Il dit restituer signifie ramener au propriétaire original. Dieu avait promis qu'il devait restituer. Ramener au propriétaire originel, plutôt pas original, originel. Ou ramener dans l'état initial. C'est ça la signification du mot restituer. Il dit maintenant, c'est ce que Webster dit sur la signification du mot restituer. Ramener au propriétaire original. Originel plutôt. Ou ramener dans l'état initial. Dieu a promis de ramener l'église à l'état initial. C'est pourquoi je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. L'église restaurée doit à la base, au départ, être dans cette position-là. Les églises du message restaurées au temps de la fin, si nous croyons à la restitution, c'est que Dieu a ramené l'église dans son état originel, où il y a la puissance, les dons spirituels, tout ce qui était dans l'église primitive. C'est ça Joël 2 d'abord. Restituer signifie
Il dit ramener. On peut faire valoir, mais on peut faire valoir, il dit, maintenant un droit peut être réclamé pour ramener quelque chose à son propriétaire légitime. Ça dit qu'on vous a arraché votre passé. C'était votre propriété. Tu te retrouves maintenant errant dans l'air comme ça. Tu saisis le parquet. Tu présentes tes titres. Maintenant, le parquet doit faire valoir tes droits. On doit contraindre cette personne à retourner la parcelle au propriétaire originel. Ayez cette idée-là. Dans le sens de restaurer. Ne parlez pas de Diakaja, j'ai dit restaurer. Vous voyez? Restaurer, je voulais mettre dans le sens de remettre. Ah, restaurant, j'ai un guangata. Kualujulula, moi, quoi, restaurant, j'ai un guangata. J'ai ouvert l'année, Kualujulula. Voyez, comme je suis en train de parler bon, sur la restitution. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela s'est éloigné du propriétaire origine, légitime plutôt. Et peut errer n'importe où. Mais restituer revient à ramener cela réellement au propriétaire légitime. Ou ramener cela dans sa condition naturelle. Il dit par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne. La loi obligera cette personne à restituer ses biens au propriétaire légitime ou état initial ou originel. Voyez, si Frère Branham dit, je n'ai jamais vu dans toute l'histoire du monde où il y a des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'église et qu'il y ait eu un réveil sans que des signes, des prodiges et des miracles suivent cela. Si ce message est un réveil, ces choses doivent y être. Ça doit être dans l'église. Jean 14, 12, Marc 16, ces choses doivent se trouver dans l'église. Les dons spirituels. Malachi est venu nous ramener dans cette état-là, à la fois des pères. C'est pour qu'on parle de la restitution. Frère Branham demande, nous parlons de la lumière du soir. La lumière du soir, qu'est-ce que la lumière du soir est venue faire? D'abord, qu'est-ce que la lumière? La lumière du soir dont nous parlons. Nous avons des tabernacles, lumière du soir. Des émissions, lumière du soir. Qu'est-ce que c'est que la lumière du soir? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Le prophète dit, quand vous voyez sa parole promise être accomplie ou manifestée, c'est ça la lumière. Donc Apocalypse 10, c'est une lumière qui brille au temps du soir. Parce que c'est accompli.
Luc 17:30, c'est la lumière qui brille au temps du soir. Parce que c'est accompli. Jean 14:12, c'est la lumière qui brille au temps du soir. Parce que c'est accompli. Joël 2, c'est la lumière qui brille au temps du soir. Parce que c'est accompli. Si c'est accompli, nous parlons de Joël 2. Luc 17:30. Frère Branham a dit, la venue de l'enlèvement, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité qui va arriver. Luc 17:30. On peut parler de l'histoire aujourd'hui. Parce que c'est un événement passé. Mais cela s'est réalisé. Joël 2. Quand nous disons que c'est accompli, nous devons vivre ça. Les églises doivent vivre ça. Parce que c'est la restitution. Chaque assemblée doit être dans cette position où on l'a ramené à l'église primitive. Éloigner le Saint-Esprit. Taxer cela du pentecôtisme. Taxer cela que c'est des choses passées. Organiser une réunion de prière pour le baptême du Saint-Esprit. C'est du pentecôtisme. Vous ne vivrez pas la Pentecôte au milieu. Quand vous écartez ça, vous n'aurez pas de miracles. Vous n'aurez pas de guérison parmi vous. Vous n'aurez pas de vision parmi vous. Je parle des choses parfaites. Ceci vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est la pluie qui doit se déverser. Suivez-moi très bien. Maintenant, la lumière du soir. Nous disons qu'à l'heure du soir, il va briller la lumière. Quel est le but de la lumière du soir? Toutes ces promesses qui viennent de s'accomplir. Apocalypse 10. Luc 17. Jean 14, 12. Joël 2. Toutes ces prophéties-là. Toutes ces promesses-là. C'est ce qui fait la lumière du soir. Maintenant, écoutez dans la restitution. Paragraphe 306 jusqu'à 309. Je crois que c'est là que je m'arrêterai. Pour que nous entamons sur pourquoi cette restitution. Il dit au pluriel. Les lumières du soir. Pourquoi? Parce que ce sont des promesses. Il appelle ça les lumières. Luc 17:30. C'est une lumière. Jean 14:12. C'est une lumière. Et Apocalypse 10. Accompli. C'est une lumière. Joël 2. Accompli. C'est une lumière. L'ensemble sont les lumières. Les lumières du soir. La Bible dit qu'elles brilleront au dernier jour. La lumière du soir qui est la lumière de l'ouest était la même lumière qui était à l'est. La lumière du soir qui était la lumière de l'ouest. La lumière du soir qui est la lumière de l'ouest. Et elle a été la lumière qui était à l'est. Donnez-moi Chibango. Les lumières du soir, la Bible dit qu'elles
prierons au dernier jour. La lumière du soir qui est la lumière, qui est la même lumière à l'ouest, était la lumière qui était à l'est. Et la même lumière qui a brillé à l'est, qui a produit la première église, que les Romains ont abattu par leur adoration païenne. La lumière du soir est la même lumière. Et pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? À quoi sert la lumière du soir? À restaurer. À quoi sert la lumière du soir? À restaurer. Ou à restituer. Mais nous trouverons l'église de ce message où il y a un foi. Pas de prophétie. Pas de vision. Pas de parlant là. Pas de guérison. Oh, la parole, la parole, la parole. Non. Toi. Il faut la parole et la dynamique. Les mécaniques, la mécanique et la dynamique. À quoi sert la lumière du soir? À restaurer. Il dit, comprenez-vous cela? La congrégation dit amen. La lumière du soir a le même but que la lumière du matin. Restaurer ce qui a été détruit durant les âges de ténèbres par Rome. Dieu va restaurer cela en faisant briller la lumière du soir. Quoi? Restaurer de nouveau la parole entière de Dieu. Virgile. La pleine manifestation du Christ est dans son église. Tout ce qu'il a fait, exactement de la manière qu'il avait fait, sera de nouveau là dans la lumière du soir. C'est pourquoi quand je parlais de la gerbagité, il était le modèle que les autres viendraient aussi. La même vie qui était en lui doit se répandre sur un peuple. Et Christ doit continuer à se manifester. Parce que la colonne de feu n'était pas allée avec lui dans la tombe. Elle continue avec l'église. Tu veux me prêcher un message? Si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? Il dit, vous ne pouvez pas vous tenir devant un vent sans sentir que le vent souffle. Regardez comment je suis devant le vent. Je sens qu'il y a du vent. Je sens ça qu'il y a du vent. Il dit, vous ne pouvez pas tomber dans l'eau sans ressortir mouillé. Amen. Amen. Il dit, là où est Dieu, il y a le surnaturel. Wana tubelamu ruwa meni mwaba wosu risambi usanga nyebwa
Si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? Dieu est avec nous. Nous voyons des miracles. Nous recevons des témoignages. Amen. Amen. Le tabernacle de Mbujimayi est restauré. Tabernacle de Mbujimayi, moi que je loue. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons au parler en langue. Nous croyons aux visions. Nous croyons aux prophéties. Nous croyons à tout cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, Jean 14, 12. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Frère Branham a vivifié Jean 14, 12. Regardez-moi. Il a dit, regardez-moi. Voici ce qui se passe. Mais dans les champs là-bas, il y en a d'autres qui vont encore se battre. Quand je vais me retirer, la colonne de feu produira ces choses dans l'église du Dieu vivant. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai jamais vu, a dit William Branham. William Branham, moi-même. Où les vagues du Saint-Esprit m'ont frappé l'église sans qu'il y ait ces œuvres-là. Nous nous vivons cela. Toujours des actualités ici. Nous continuerons à faire des réunions de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Tambwa mukungule. Dans cet âge ici, les lions a rugi. Le lion a rugi. Le lion a rugi. La bouche de Dieu a parlé. Tous les insectes à leur place. Tout ce qu'il a fait, exactement de la même manière qu'il avait fait, sera de nouveau là dans la lumière du soir. Voyez-vous ce que je veux dire? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et de savoir que nous vivons en ce moment même pour voir cela. La lumière du soir est apparue pour restaurer quoi? Restaurer ce que les insectes avaient dévoré. Il dit, mais quoi ensuite? Juste au sommet de l'arbre. C'est là que les fruits mûrissent premièrement. Juste au sommet de l'arbre. C'est parce que c'est le sommet de l'arbre ici qui voit la lumière du soir. Les lumières du soir apparaissent pour briller comme celle du matin. Les mêmes signes, la même chose. Cette même lumière produira les mêmes fruits qui les avait là-bas. Si elle brise sur le même arbre, les mêmes fruits qu'il avait là-bas, si elle brille, donc, cette même lumière produira les mêmes fruits qu'ils avaient là-bas, si elle brille sur le même arbre. Qu'ils avaient là-bas. Pas qu'ils avaient là-bas. Ça dit que c'est seulement du temps du Seigneur Jésus-Christ.
à nous. Mais on montre ce qui s'est passé du temps des apôtres. Dans ce, parmi ce groupe-là. C'est vrai que Jésus a manifesté des œuvres. Après l'esprit qui était en lui est venu dans le peuple. L'église primitive a commencé à opérer les mêmes choses. Sauf ce signe-là du Messie. Et Dieu dit qu'il va restituer. Pourquoi on doit restituer? Nous comprenons que les insectes ont rongé quelque chose. C'était le droit de l'église. C'est ça l'église. Où il y a des grisons. Où il y a toutes ces œuvres-là. Maintenant on l'a dépouillé. C'était le propriétaire de l'église. Les propriétaires de l'église. Les dons spirituels. La guérison. Toutes ces choses-là. C'est pour l'église. Dans chaque corps local, il y a ces dons qui doivent être là. Mais pour actionner cela, il faut le déversement du Saint-Esprit. Quand vous écartez cela, vous ne verrez pas cela. Et le propriétaire de l'église, ce sont ces œuvres-là. Au fil des âges, on a dépouillé l'église de cela. L'église est restée comme ça. C'est comme quelqu'un qui avait sa parcelle. Et c'est bien. On lui arrache cela. Il va faire appel au parquet. Et le parquet est restauré. Restitué. C'est ce que Dieu a fait dans ces derniers âges. Pour l'église des nations. Nous verrons ça quand nous allons entamer pourquoi la restitution. Vous voyez? On doit nous ramener à l'état de l'église primitive. La parole restaurée, la pleine manifestation qui s'est fait dans la chair. Si il n'y a pas de levain au milieu de vous, la plénitude de la divinité va se manifester corporellement au milieu de vous. Ça ne peut pas se faire du temps de Luther. Ni de Wesley. Ni de la Pentecôte. Mais au jour où le Fils de l'homme doit être manifesté. Si on a parlé de la de restitution, Dieu a dit je vous restituerai. Je vais vous dédommager. Écoutez, dédommager. Dédommager d'où vous étiez. Écoutez. Dédommager. Je vous ai dit que dans ces mots-là, Shaolam, il y a encore dédommagé. Donner à quelqu'un une compensation matérielle. Dédommager. En réparant d'une perte ou d'un dommage subi. C'est ce que l'église a perdu. Et la lumière du soir vient restituer à l'église ce droit, ses dons, bien, sa puissance. Pourquoi le point? Tout s'est restauré. Il y a une situation que je vous amènerai. Je crois frère Vanam a dit que l'église où il n'y a pas de dons doit être fermée, quelque chose comme ça. Même tu quelque chose comme ça, donc en parlant dans le sens que l'église qui écarte, qui ne croit pas à ces choses. Même si vous avez dit que 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 vous avez dit
Alors suivez-moi très bien. Je ne parle pas dans le sens d'attaque, mais je montre, moi je présente la chose que nous devons croire. Nous. Quand je vais commencer à parler sur les dons, il y a des dons qui sont manifestes. Dans notre église ici, comme nous vivons des vagues du Saint-Esprit, il y a des dons qui se manifestent. Il y a des dons de la parole de sagesse. Il y a des dons de connaissance. Dons de discernement. Dons de guérison. Dons de miracles. Des prophéties. Quand nous allons expliciter ça, vous comprendrez que ce n'est pas seulement dire que Simon. Ce n'est pas seulement dire que c'est les. Ce n'est pas seulement tel. Et ont des dons manifestes. Il y a les dons de sagesse. Il y a les dons de parler en langue. Il y a des dons de prophétie. C'est ce qui se manifeste dans le corps. C'est ce qui a suivi des vagues que nous avons et que nous sommes passés par le Saint-Esprit. Frère Banam dira, dit la Bible, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps pour cela. Il va avec moi dans 1 Corinthiens. Quand nous allons parler sur les dons spirituels, vous comprenez que point n'est besoin de vous attrouper sur une personne. C'est une grâce qu'il a reçue. Tout Dieu n'est pas seulement dans cette personne. Il a un don. Tout comme toi tu as le don de prophétie. Comme tu ne te rends pas compte, tu penses que tu n'as pas de Dieu, seulement lui qui a Dieu. Non, non. Écoutez la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 12, je crois. Chapitre. Je cherche, tous ont dû les dons de prophétie. Tous prophétisent-ils? Il y a quelque part là. C'est 12. Chapitre hein? Bon, je prends verset 12. Dingata, verset 12. 12, 12 d'abord. Car comme le corps est un. Tu as dit que tu as chapitre 12, verset 12. Bon, et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit tu chiffres. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. C'est pourquoi quand j'entends ce jeu, il faut que vous soyez bien enseigné. Maintenant écoutez Paul dit. Si le pied disait. Parce qu'on parle du corps. Dans mon corps, j'ai les bras. J'ai les pieds. J'ai la tête. J'ai le ventre. Voyez, c'est ça aussi le corps de Christ. Don de guérison. Don de miracles. Don de vision. Prophétie. Parler en langue. Discernement. Guérison. Tout ça. Si le pied disait. Autrement dit, si c'est lui qui a les dons des parents langue disait. Parce que je ne suis pas une main. Parce que je n'ai pas les dons de guérison. Je ne suis pas du corps. Je ne suis pas dans le corps de Christ. Mais ne serait-il pas du corps pour cela? C'est ta partie. 16. Si l'oreille disait,
ou celui qui interprète. Parce que je ne suis pas un œil. Parce que je ne vois pas de vision. Je ne suis pas du corps. Je ne suis pas encore dans le corps de Christ. Je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. Ne serait-il pas du corps pour cela? Dans le fait que tu aies un œil, ou le parler en langue, si tout le corps était un œil, si tout le corps était seulement don de parlant là, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Voyez comment Dieu agit dans son église. Pour la guérison, il vous donne celui qui a le don de guérison. Pour le miracle, il vous donne celui qui a le don de miracle. La sagesse est là. La connaissance est là. Maintenant, vous n'êtes pas malade. Vous voulez connaître quelque chose. Ce qui ne va pas dans ta vie. Vous n'irez pas chez celui qui a les dons des miracles. Vous n'irez pas chez celui qui a les dons des guérisons. Vous irez chez celui qui a les dons de la parole et connaissance des visions. Alors, si vous confondez les choses, parce que les dons des miracles, les dons des guérisons, ce sont des dons. Ça ne veut pas dire que cette personne a tout Dieu. Ou celui qui a les dons de vision, ou celui qui a le don de la parole de la connaissance, que celui seulement qui a Dieu. Même toi qui parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il faut savoir qui consulter et au temps approprié. C'est comme je disais à un frère qui commence à aller dormir chez le diacre Simon. Il a voulu trouver un. Quand le diacre Simon lui donne une chambre de prière pour qu'il donc, il voit que Dieu est seulement là-bas. Toi, tu pensais que tout Dieu se trouve chez le diacre Simon. Dieu a voulu te montrer que ce n'est pas lui. Parce qu'il y a des gens qui croient que le diacre Simon a prié pour eux, il n'y a rien. Où il a prié, c'est Dieu donc qui fait ça. Où le don qui est en toi, quand Dieu te fait descendre de l'onction, c'est alors que cela se manifeste. Ce n'est pas votre volonté. Pierre qui passait seulement comme ça, l'ombre guérissait. Expliquez ça. C'est la force des jeunes. C'est le don qui opère. C'est pourquoi Frère Branham dit, le don c'est quoi? C'est s'écarter. Quand la personne sait se consacrer, comme diacre Simon, c'est un homme de prière. Ce don là doit se manifester. Toi qui as le don de parler en langue, si tu te consacres beaucoup, ce don là va se manifester. Mais comme toi tu ne crois pas ça, tu es lourd. Tu vois des visions.
C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu ne t'abandonnes pas dans la prière. Quand tu délivres à Dieu, Dieu va t'utiliser puissamment. Et cela va se manifester. Frère Banam était un homme de prière. Pourquoi son don s'est manifesté? Ou celui qui a un don spirituel. S'il est un homme de prière, ce don là va se manifester. Le corps est construit de plusieurs membres. Il y a le bras, il y a l'autre bras, il y a les doigts, il y a les nez, il y a les oreilles, il y a la bouche. Nous parlerons de cela pour que cette église soit bien enseignée. Pour que vous compreniez comment Dieu opère dans son église. Et vous devez bien comprendre votre place. Et vous direz, moi aussi en tout cas, il faut que Dieu fasse que ça se manifeste comme les diacres sont. Moi je connais ma place. Toi tu connais ta place. Quand j'aurai besoin de la consultation pour une parole qui va m'orienter, je vais vers ce qu'est le don de la parole de sagesse. Quand je suis malade, je passe celui qui est le don de guérison. Parce qu'un miracle, ça n'explique pas. Même celui qui l'a compris ne comprend pas. Merci. Ce n'est pas des prières au nom de Jésus. Lève-toi. Paf. Lui-même s'étonne. C'est le Saint-Esprit qui opère ça. Je voulais lire Frère Banam ici. Il dit, les gens sont venus à l'église. Le simple fait de soumettre au Saint-Esprit, le simple fait de se soumettre au Saint-Esprit, il rentre guéri. C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction qui fait ça. Tant que tel frère aime la vie, est sous la prière, il prie beaucoup. Ce don là est allumé. Parce que quand le vague du Saint-Esprit est venu, depuis longtemps, on a commencé ici. Mais maintenant nous avons commencé à faire souvent des réunions de prière du baptême du Saint-Esprit. C'est là que vous voyez maintenant ce don là. On ne peut pas négliger ça. Je reviendrai quand je parlerai sur la partie des dons spirituels. Et c'est là que vous comprendrez comment Dieu veut que nous travaillions dans son église. Et Frère Banam, le message du soir a tout éclairé. Il est dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La prophétie est là. Tu prophète, tu dis, nous croyons cela. La guérison est là. Nous croyons cela. Le discernement est là. Nous croyons cela. Tous ces dons spirituels. C'est l'église qui est censée être restaurée. Donc aujourd'hui, quand nous devons parler de la restitution, les assemblées du message doivent être pleines de la Pentecôte. Nous sommes censés être restaurés. Ramener à la position originelle. Malaki, nous devons nous laisser dans cette position là. Mais ces choses ne viennent que par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous négligez cela, c'est pourquoi on aura toujours des raisonnements.
et les dons spirituels, les dons de tout ça. Mais amener le baptême du Saint-Esprit, bien enseigner ton église, à bien se préparer, à se séparer du péché. Quand vous prierez, la pluie viendra abreuver la semence. Et vous récolterez la manifestation de la semence. C'est pourquoi que Dieu nous aide dans cette église à garder toujours des rangs de prières du baptême du Saint-Esprit. Et quand nous serons bien instruits sur les dons spirituels, chacun connaîtra. Bien que je ne suis pas un pied, mais comme je sais que je suis une main, je suis du corps pour cela. Comme je ne suis pas un œil, mais je suis un nez, je suis du corps. Dieu est avec moi. C'est ce qui rend le corps de Jésus qui complet. Le doigt, l'œil, l'oreille, les nez, les pieds, la poitrine, le cou, tout ça, le corps de Christ. Ne courez pas seulement après. Dieu a placé des dons dans l'église et ça travaille pour l'édification. C'est très important. Et nous parlons aussi sur le discernement de l'esprit. Parce que je dois vous instruire. Quand vous avez un don en toi, faites aussi attention. Parce qu'on doit discerner. Où est-ce que tu veux aller avec ce don? C'est ce que vous remarquez dans les chez les baba ici. Comme j'avais croisé un baba. J'avançais. Il y avait une histoire, c'est Marc ici. Même vous, Ndanya, vous ni chitapte ni muchari ni ni makayen. Je ne sais pas ce qui est écrit. J'ai lu ça à haute voix. Chen mani chibu bafunda muchari chenda makayen dauto vumwa baliji jikon. Il a dit, Eyoa. Tutu tukane nendo duwa mbeni. Ndanga di samadu dina rupindo kondo hampindo. Eyoa. Dites-moi la maladie que vous avez et je vous guéris sur place. Je suis seulement parti. C'est pas lui qui va guérir. Quelle intention il a avec ce don-là? Je vais vous instruire pour que vous soyez une église solide et bien enseignée. Il nous a prêché le discernement de l'esprit. Avec les dons que j'ai, avec les dons que tu as dans l'église, il fait toujours qu'on voit que tu as ces dons là. Quelle intention il a ou elle a avec ces dons? Où est-ce qu'il veut aller avec ces dons là? C'est là qu'on discerne. Il dit, on peut avoir un vrai don. Mais l'esprit est faux. Les intentions. C'est pourquoi l'éternel du jeu doit être dans l'équilibre bien taillé. Le message est complet. Le corps est complet. Il y a les bras, il y a les doigts, il y a les nez, il y a les pieds, tout ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses. Et la gloire revient au Saint-Esprit. Comme j'avais dit une fois dans la réunion du conseil là-bas, nous devons commencer à cesser ces histoires. Dieu de tel, Dieu de tel, Dieu de... Moi, comme j'avais montré à Rino, que quand on cite Dieu d'Abraham et de Moïse, Dieu de Branham, je trouve très bien. Mais Dieu de Vibidi, là, bon. Dieu se contente des noms là que lui veut. Vous devez comprendre ça, ça vous devez être instruit. Pour moi, vous montre la chose véritable. Pour moi, Bila. Laissez cette expression. Mais ma kubambile ni.
tulekelai cha kwidi chenu chanyi zambi wakampanda zambi wakansanga zambi wakankenga we are the non-chairman pastor uduwa mini kudi men ati zambi kayende ushin le dieu d'Abraham zambi wa Abraham le dieu d'Isaac zambi wa Isaka le dieu de Jacob zambi wa Jacob zambi wa le dieu d'Israël zambi wa Israël. Mais comme il a utilisé frère Branham dans son dieu de Branham kadibu mudi ye zambi yao mukwa atamuje muni mwane tubarama mchukondwechi kudi tuwambe ni zambi wa Branham. Make a lie, it's a good chance. Zambi wa vipidile. Zambi wa vipidile. Zambi lu sangye. Vipidile, c'est un misérable. Dieu de Branham. Dieu de Moïse. Dieu de l'épouse. Pour tout un bel lake a lie, it's Banga ileluni. Zambi wa Abraham. Zambi wa Isaka. Zambi wa Mukesh Musela. Zandua William Marion Branham. Faites attention de ne pas créer à votre frère des problèmes devant Dieu parce qu'il dit je suis Dieu, je donnerai ma gloire à aucune autre personne. Alors laissez-nous continuer à avancer, glorifier le Seigneur Jésus-Christ, glorifier les noms que Dieu aime. Laissez Dieu conduire son église de la bonne manière. Que le Seigneur vous bénisse. Zambi wa Abraham, wa Moïse, dibo kwa ba prophète bo so kwa bo. Aujourd'hui, il faut Dieu de Branham. Il a utilisé. Duku kan Zambi wa Branham. Uli mwa to kumujumu Zambi elbelesha. Confirmez là-bas. William